Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce 1er septembre pour découvrir ma sélection Artemio pour l'ADT de ce mois. Et sans vous spoiler, j'ai pris uniquement du Halloween parce que j'ai envie de faire une déco Halloween cette année. Je ne sais pas pourquoi, je suis à fond là-dedans alors que avant je n'aimais pas ça. Mais pourquoi pas? Alors c'est parti, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Avant ça, j'ai reçu le catalogue 2023 automne-hiver. Je ne savais pas du tout que je pouvais le demander, mais du coup, c'est quelque chose que je ferai parce que franchement, ça a l'air plus pratique quand même que de chercher sur Internet, notamment pour prendre les références et tout ça. Je pense que ce sera beaucoup plus simple pour moi, je pense. Voilà, petit aparté terminé. Hop, je remets ça là. Et j'ai pris dans un premier temps du papier basil, c'est du noir avec des petits pois embossés, il s'appelle poivre. Alors vous allez le voir peut-être un peu gris, mais en tout cas il est bien noir. Ça, pour aller avec tout cela, j'ai pris les chipboards autocollants. Donc ceux-là ils sont phosphorescents, à voir comment ça fonctionne parce que moi j'ai mis le truc dans le noir et je n'ai pas vu de phosphorescent. Donc à voir quand la créelle sera faite. Voilà pour la première page, la deuxième et la dernière. Donc là on est sur des couleurs un petit peu plus tradies, notamment par le noir, l'orange et le blanc. Le bleu et le vert changent un petit peu. C'est pas pour me déplaire. Franchement, j'adore. J'ai pris avec ça les die-cuts. Donc, c'est dans les mêmes tons que les chipboards. Et il y en a pas mal. Et pour aller avec ça, j'ai pris les puffy. Voilà. J'adore celui-là. Il me fait rire. Voilà, ah non, j'allais oublier les washi. Donc là, on est sur chauve-souris et citrouille. Dans l'autre collection, hop, j'ai pris les chipboards toujours. Là, c'est une collection par contre un petit peu basée sur le violet. J'adore. Celle-ci et celle-ci, j'adore. Et les chipboards sont comme ceci. Alors là, je pense qu'il y en a un petit peu moins. Ah, ou c'est peut-être plus des gros éléments. Voilà. Ouais, je pense qu'ils sont plus gros. Là, il y en a 42. Là, je sais pas, mais je pense qu'il y en a quand même beaucoup plus. Ça, c'était pour tout ce qui est embellissement. Hop. Ensuite, j'ai pris plusieurs dies. J'ai déjà pris cette maison. J'allais dire petite, mais non, elle n'est pas si petite que ça. Enfin, la taille en elle-même, oui, mais le dies, non. Donc c'est une matrice de découpe qui n'est pas compatible évidemment avec la mini Happy Cut. Il faut au moins la A4. Ouais, au moins la A4. Enfin, non, A3. La A3. Donc ça, pour faire des petites maisons en déco, j'adore. Ensuite, le petit chat et la petite citrouille. Enfin, petit, c'est pareil, ils ne sont pas si petits que ça. Hein. Il n'y a pas les dimensions, la citrouille. 7, je dirais, par 6,5. Et le chat, un peu moins de 8. Sur un petit peu plus de 7. Voilà. Et donc ça, j'imagine que c'est se met sur la citrouille. Ouais, je pense.
Alors là, ce qui est bien, c'est que ce sont des days à embosser également, puisque il y a les petites réunions là de la citrouille. J'adore. Et pour finir, dans les days, j'ai pris celui-ci, une toile d'araignée. Ah, je vous ai dit uniquement du Halloween. Ensuite, j'ai pris, alors, des éléments en bois. Donc, qui dit éléments en bois dit peinture. Et j'ai pris les Lily Oil Stick. Donc, j'ai pris celui-ci, c'est le Silver. Donc, c'est un argenté. Je ne l'ai pas encore testé. Franchement, je pense qu'il doit être joli. Ensuite, j'ai pris le noir comme ça. Un noir basique. Et pour étaler, j'ai pris le pinceau. Donc, j'ai pris la teinte numéro 1 que j'ai déjà utilisée. Et franchement, top. Pour la peinture Lily Oil Stick, en tout cas, il faut absolument ce pinceau. J'adore. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui n'est pas encore sortie parce que je n'ai pas terminé le montage. Mais elle devrait sortir après cette vidéo. Vous allez voir. Top. Par contre, la prochaine fois, je pense que je prendrai le pinceau la taille au-dessus. Parce que pour faire des grosses choses, ça, c'est vraiment long. Voilà. Et il est tout petit. Mais en tout cas, j'adore. Et donc, je vous ai parlé d'éléments en bois. Je vais vous montrer ça. Alors, j'avais laissé dans le sac pour ne rien perdre. Hop. Alors, dans un premier temps, nous avons ce petit chat en MDF. Voilà, à peindre. Ensuite, cette jolie citrouille. Alors, sur cette citrouille, il y a plusieurs petits morceaux de bois. En fait, chaque morceau de bois représente un élément. Donc, par exemple, là, on a la citrouille. En dessous, on a uniquement l'araignée, ensuite la toile. Et puis, ici, on a le fond. Bah, d'ailleurs, vous pouvez voir là tous les éléments. Et en fait, le but est de peindre chaque élément d'une couleur différente pour tout faire ressortir. Et c'est ce qu'on tâchera de faire ensemble. Et dans le même principe, j'ai pris cette lanterne avec le petit chat à l'intérieur. On dirait qu'il est tout malheureux. J'adore. Hop. Et donc, pareil, vous pouvez voir les différents éléments. Ensuite, j'ai pris un petit arbre. Enfin, petit. Oui, ici, il est plus petit que l'autre. Un petit arbre comme ça en MDF, toujours à peindre pour faire un petit décor un peu obscur. Donc, j'ai pris celui-là, je crois qu'il fait 20 cm. Pour être honnête, ça fait un moment que j'ai passé la commande et ça fait un moment que les commandes attendent dans un carton juste à côté. Tout me fait de l'œil, mais je ne peux pas tout vous montrer. Et franchement, j'avais qu'une envie, c'était de vous montrer tout ça. Et donc là, on a le format 30 cm. Ouais. Donc là, on a le 20 et là, on a le 30. D'ailleurs, il ne passe pas. Et donc, en fait, ça fera un petit décor comme ça, là, l'un devant l'autre. Enfin, voilà. Peindre de différentes couleurs. Franchement, ça va faire quelque chose de joli. Eh ben ma foi, j'ai envie de dire c'est tout, mais c'est déjà pas mal. En tout cas, c'est fini. Je m'arrête là pour cette vidéo. Je vais aller tout ranger. Et puis bah moi, je vais vous retrouver bientôt pour faire tout ça avec vous. Courant septembre, comme ça, début octobre, j'installerai tranquillou le Halloween. Oui, c'est pas mal. Parce que ça va venir vite, hein. C'est fin octobre. Histoire d'en profiter un peu, je pense que c'est un bon compromis. Voilà, voilou. Moi, je m'arrête là pour cette vidéo.
Je vous dis à bientôt. D'ici là, portez-vous bien, scrapez bien. Ciao!